Regardez ce que je trouve dans les poubelles de Super U. Du bois densifié ultra calorifique. Il y a deux sacs là. Ça part à l'incinérateur, donc ça tombe bien, ça va lui donner un bon rendement pour faire de l'électricité, ça. Avec du plexiglas, mon Dieu. Il y a un étalage, hein. Je vous disais, il y a le métal aussi avec. Hein. Je dis pas des conneries, hein. Voilà, quand il jette les poubelles avec. Avec les verres et tout, voyez le verre. Il y a deux verres pétés, il jette tous les verres. Hein. Comme une barquette de pommes. Hein. Non, il y a un câble dedans. Donc voilà, hein. Pourquoi je me bats depuis des années. Hein. Ça fait 10 ans maintenant, depuis 2008. Je me bats pour que ça s'arrête, parce qu'en fait, je dis non, non, la complexité, c'est pas ça, quoi. Vous rigolez ou quoi? Ah, une balle de tennis, deux. Trop bien, gros. Il y a un moulinet de pêche aussi. Je vais le prendre parce que je l'utilise tout le temps pour la psychologie sociale. Oh, un couteau. Un couteau. Hein. Donc c'est vraiment sa place. Hein. Et la déchetterie, elle est derrière. Hein. Elle est juste derrière le bâtiment. Non. J'en peux plus, moi, cette civilisation. Hein. C'est, tu m'étonnes qu'on nous vaccine, quoi. De force. Oh, il y en a d'autres encore. Plein de balles de tennis. On va... Oh, je vais me remettre à jongler, du coup. Je vais me remettre à jongler. Parce que les balles de tennis, c'est vraiment... Ouh, des bombes de peinture. Alors là, par contre... Ça, c'est de la provocation, les bombes de peinture. Hein. Ça, c'est... Trop bien. Ah, je vais aller taper le jongle devant Super U, du coup. Qu'est-ce que je garde mon masque? Je vais garder mon masque. Donc, il y a des bombes de peinture. Encore des balles de tennis. Youpi. Trop bien. Ah, pour les chiens, ils adorent ça, les chiens, les balles de tennis. Les tiroirs. Ah, ça, c'est des cotillons pour Noël, en fait. C'est des trucs pour les fêtes où on s'envoie des trucs dans la gueule. Filant entre eux. Serpentin, oui, c'est les trucs. Ah, hey, vas-y, bisous. Pour le 31. Bon, ben. Là, on a des cartons pleins de saucissons. Ah, bah, d'accord. Ah, la vache. Oh non, Jaoda, des cartons, t'as vu ça, Kéro? Des saucissons pour, voilà, à l'incinérateur. Et Kéro, il est content, hein, il voit ça, il est là, il salive, quoi. Là, j'ai un couteau, en plus, je vais pouvoir le couper un bout. Bon, ben voilà, comme ça, vous l'avez en direct. Vous savez pourquoi je me bats, il y en a 4, 2, 3, voilà, il y a encore le... Voilà. C'est pour ça que je me bats. Contre, oh là-bas, voilà, du jambon. Des crêpes, sûrement, avec du jambon. C'est pour ça que j'y vais plus, j'y retourne plus parce que même, voilà, des pizzas, c'est, j'ai pas osé l'acheter en fait. Je voulais en acheter une et j'ai dit non, arrête. Et j'ai acheté juste des croquettes et des de la nourriture pour les chats et les chiens et c'est tout. Et du coup là il y a 3-4 pizzas. Bon ben, j'ai pas de sac, rien, enfin mon sac il est plein. Je vais pas tout emmener de toute façon, hein, mais voilà, bon ben. Voilà ce que c'est. Hein. Je suis même pas content, je suis navré, quoi, en fait. Et j'ai honte de le monde dans lequel je vis. Parce que c'est pas simplement de jeter de la bouffe, hein, c'est jeter avec le plastique, l'emballage, tout comme ça, négligemment, rien à foutre dans un carton. Alors qu'il y a des chats autour là qui vivent en sauvage et ils se font flinguer, quoi, en fait. On leur met des coups de carabine. Parce qu'ils veulent pas les stériliser, ou gérer le cheptel, ou les gens comme moi qui leur donnent à manger, ben on est persécutés. Donc voilà, pourquoi je me bats. C'est de la philosophie de l'espace-temps in situ. Et qui justifie pourquoi je vais provoquer des Étienne Klein et des Aurélien Barraud, et que je leur parle comme ça sur ce temps-là, c'est pour ça. Parce
je récupère dans la poubelle depuis 2008 et voilà. Je militais déjà. Super, au moins je veux pas mourir de faim ce soir quoi. Mon Kéro non plus, hein. T'as vu ça mon Kéro? Oh là là. Bah, il mérite parce qu'il s'est battu. Alors il est tout en ce moment, il est tout chomolo parce qu'il a le trou, il a un trou sur la tête, il a un bout d'oreille coupé, il s'est battu avec le chien du voisin. Ah là, il est content. Hein. Ça c'est beau, je vais t'en donner tout de suite. J'ai un couteau en plus. Voilà, j'en monte à Ost. Ah c'est chez moi en plus. À Ost. La dédicace à Alem. Hein, et ben voilà, si tu veux manger du jambon d'Aost, c'est pas la peine d'aller dans le en Isère ou quoi. Tu viens dans le sud, dans les poubelles de Super U, dans la ville de Castex. Et là, t'as tout ce qu'il te faut. Même des primes de 100 euros, moi je l'ai pas reçu, je sais pas si vous l'avez reçu, mais j'ai pas reçu encore la prime de 100 euros sur l'inflation. On en reparlera, allez, c'est bon, j'arrête là. Faut que je remballe là, je déballe, je... Kéro il est content.